puisque le cancer du sein et tous les cancers sont une maladie qui est présente autour de nous, quels que soient les âges. Il y a le médical, mais bien souvent dans le médical, c'est vous êtes malade, on vous donne un traitement, mais le côté psychologique n'est pas pris en compte. Et c'est ce que aujourd'hui l'association Rosie pour la vie porte. Excellente association qui permet aux personnes de pouvoir avoir accès à différents soutiens, permettre aussi au plus grand nombre de personnes souffrantes de connaître toutes les techniques de mieux-être, toutes les techniques qui peuvent les accompagner dans leur vie, dans leur combat. C'est quelque chose qui a une valeur inestimable. Cette cause me touche parce que forcément j'ai été aussi touché par le cancer, alors pas pour moi-même, mais pour des proches. C'est important d'apporter du réconfort, d'accompagner, vraiment montrer le côté positif de cet accompagnement. Vraiment ne pas laisser les gens de côté, mais vraiment être là. Je suis aussi la marraine de Rosie pour la vie et je suis vraiment super fière d'être la marraine. Je suis aussi avec la mascotte le plus souvent possible. Par exemple, quand je vais faire des événements pour moi privés, et ben je l'emmène avec moi et je sais prendre en photo ce que je fais avec Rosie. Et ça me fait énormément plaisir de pouvoir vous partager un message positif.